Ils ont 30 ans dans le ministère pastoral. Eux, ce sont les lauréats de la 10e promotion de l'école biblique à Bethel Formation de Kourougou, sortie en 1993. Après 3 décennies dans le ministère, une halte est nécessaire pour rendre grâce à Dieu qui a été fidèle. En 30 ans, ses serviteurs se sont répandus à travers le pays et même au-delà, avec des fruits palpables selon leur porte-parole. Le leitmotiv qui nous a guidés pendant ces 30 ans, c'est la grande commission donnée par notre Seigneur Jésus. Et dans cette mission, nous avons rencontré des oppositions, mais aussi des personnes qui ont facilement accepté le Seigneur Jésus. L'œuvre a produit d'abondants fruits et chacun d'entre nous a son église. Membre de cette promotion, le pasteur Dieudonné Sawadogo est l'hôte de cette célébration. Se rappelant des difficultés rencontrées, l'homme de Dieu se dit reconnaissant pour le chemin parcouru. En écoutant chaque avec ses témoignages, ça n'a pas été facile. Particulièrement moi, ça n'a pas été facile. Parce que quand je suis sorti, j'étais dans le parage de Ouagadougou. Il fallait suivre la déguerpisse. Donc, déguerpissement est fait, on est parti à la Noaïri. On n'a pas eu de terrain. On est revenu au Carpala ici. J'étais attribué 2 fois de terrain, lieu de culte. Mais ça n'a pas marché parce que autres religions ont pris les terrains. Et finalement, le maire nous a attribué ce terrain. Donc, c'est une grâce pour nous et je pense que c'est le lieu que Dieu a choisi pour donner son nom. Et nous attendons la progression, la victoire, le succès, le bonheur, la paix. Et nous attendons surtout les fruits de notre travail, de notre ministère, les fruits de notre ministère. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5 au verset 18, le thème de la célébration a été décortiqué par le pasteur David Kabore, président de la région ecclésiastique de Phara, membre de la promotion. L'orateur a indiqué que l'action de grâce est une attitude de reconnaissance pour un service rendu. L'action de grâce plaît à Dieu. Il y a une puissance dans l'action de grâce et en rendant grâce, on considère ce que Dieu nous a donné. Pour le pasteur Kabore, l'action de grâce est un canal pour gagner des âmes à Christ, raison pour laquelle la promotion fait une halte pour témoigner toute sa gratitude à celui qui a permis toutes ses prouesses. L'action de grâce plaît à Dieu. Les gens qui ont un boom, si quelqu'un vous offre quelque chose, il y a un pour ça, jamais. Et vous lui dites merci. Vous considérez le don. Et vous voulez aussi qu'il vous donne encore. Action de grâce, occasion pour leur directeur d'antan de prodiguer encore des conseils à ses étudiants d'alors afin de gagner encore plus d'âmes à Christ. Je les encourage à aller de l'avant avec ce que Dieu a mis entre leurs mains. Les dons sont différents. Chacun a reçu quelque chose de Dieu et le Seigneur veut que chacun s'efforce de travailler parce que Dieu va réclamer les fruits à chacun d'entre nous. Dix 950 jours dans le ministère, l'Éternel a été fidèle au-delà des difficultés rencontrées. C'est ce culte d'action de grâce qui marque l'apothéose de plusieurs activités menées dans le cadre de ce 30e anniversaire.